Et yo les itos, bienvenue aujourd'hui pour un tuto explicatif sur Diamant et Perle, les nouveaux remakes sur Nintendo Switch. Alors, pour dupliquer vos Pokémon, il faut vous rendre à la garderie, à Bonneville. Si vous avez des œufs en cours, récupérez-les. Ensuite, rentrez dans la garderie. Donc, première étape, allez dans votre équipe, boîte PC. Donc là, il y aura plusieurs manips à faire. Dans la première boîte, la boîte 1, mettez qu'un Pokémon. Un Pokémon que vous en foutez, vous le mettez en première position, d'accord? La seconde boîte, il faut toujours un Pokémon en première position. Là, vous pouvez avoir po plusieurs Pokémon, c'est pas grave, d'accord? Donc, toujours un Pokémon en première position. Rendez-vous à la boîte 1. Mettez le premier Pokémon dans votre équipe de combat. Ensuite, baquez. Allez voir la mamie à la garderie pour déposer un Pokémon. Donc là, on voit que le Pokémon il est dans notre équipe de combat. Du coup, on ne peut pas le mettre à la garderie. Donc, pour le mettre à la garderie, il y a une petite manip à faire. Allez à la boîte 2, sélectionnez le premier Pokémon. Ensuite, allez dans Aperçu. Faites Y pour déplacer la boîte numéro 2 à la boîte numéro 1. Reappuyez sur Y. Baquez. Donc maintenant, vous voyez, en faisant ça, le Nosferapti est bien sélectionné pour aller à la garderie. Vous n'avez plus qu'à baquer. Hop. Cette petite manipulation de duplication va vous coûter un peu d'argent. C'est 500 Poké-Dollars à chaque fois. Il vous faudra beaucoup de Pokémon indésirables. Et pas mal de Poké-Dollars. Ensuite, étape 2. Allez dans votre équipe. Votre boîte PC. Donc maintenant le glitch est activé, vous avez un missing no sur vous, vous le voyez tout en bas là d'écran. N'allez pas dessus, sinon votre console risque de friser et vous allez devoir redémarrer. Donc pour dupliquer, il vous faut un Pokémon obligatoirement qui va disparaître, c'est pour ça que je vous ai dit il va vous falloir beaucoup de Pokémon indésirables. Donc il y a un Pokémon qui va sacrifier et un Pokémon qui va être dupliqué. Donc vous choisissez le Pokémon qui va être sacrifié. Donc équipe de combat. Sélectionnez votre Pokémon. Et un Pokémon qui va être dupliqué. Donc là, pour ma part, là c'est un Pangoléon. Tout shiny. Et je lui ai mis une Master Ball. Si vous mettez des objets sur le Pokémon à dupliquer, bah ça le duplique. Donc, tac, vous le mettez en deuxième position. Maintenant. Cliquez sur le Pokémon et faites résumé du Pokémon. Maintenant, baquez. Vous voyez que votre Pokémon a été dupliqué et le missing no a disparu. Donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à désélectionner. Et voilà. Comment dupliquer un Pokémon, les amis. Maintenant, vous n'avez plus qu'à remettre vos boîtes dans l'ordre. Donc, aperçu, Y sélectionné. Hop, vous me remettez comme ça, la boîte 1 et la boîte 2. Allez rechercher votre Pokémon dans la garderie. Dites à la mamie de la garderie non. Viens-tu récupérer un Pokémon? Oui. Et récupérez votre Pokémon. Et voilà, maintenant vous savez comment dupliquer vos Pokémon. Vous n'avez plus qu'à réitérer l'opération pour dupliquer autant de Pokémon et d'objets que vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous. Encore merci à vous. Ciao!